On Jaba, oh, on Jaba, on Jaba, oh, on Jaba. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? D'où nous viennent ces choses négatives? Quand tu as un problème, de ne pas avoir de problème. C'est l'une des maladies des chrétiens aujourd'hui. Quand tu as un problème, ne fais pas semblant de ne pas avoir de problème. Surtout quand tu viens dans la présence de Dieu, ne cache pas ton problème. Cache ton problème aux hommes. Cache ton problème à ta famille. Mais ne cache pas ton problème à Dieu. Parce que Dieu seul est la vraie solution à ton problème. Yes. Ouais. Josué a posé une question à Dieu. Pourquoi Israël ne peut pas vaincre les ennemis? Pourquoi Israël tourne dos devant les ennemis? Pourquoi Israël tourne dos devant les ennemis? Devant ce petit peuple qu'on appelle Haï. Pourquoi nous n'avons pas la victoire comme à Jéricho? Où est passé notre Dieu qui nous donne la victoire et la délivrance? Je nous ai dit la dernière fois que premièrement c'est parce que les chrétiens n'écoutent plus la voix de Dieu, c'est pourquoi ces choses nous arrivent. Deuxièmement, parce que nous ne détruisons pas l'autel qui est dans la maison de notre Père. Troisièmement, c'est parce que nous avons des mauvais passagers à bord que nous avons pris avec nous et nous voyageons avec des personnes avec qui on ne devrait pas voyager, des personnes avec qui on ne devrait pas marcher, parce que la Bible dit il y a des compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Il y a des associations qui amènent la destruction. Il y a des associations qui amènent la stagnation. Il y a des associations qui amènent la malédiction. Et quatrièmement, j'ai dit aussi que c'est à cause du sang innocent des hommes de Dieu et même des enfants de Dieu que nous avons versé. Le sang innocent des hommes de Dieu et des enfants de Dieu que nous avons versé et qui fait que les malheurs nous arrivent. Je ne vais pas revenir sur ce point-là. Mais ce matin, je vais avancer. La Bible dit quelque chose s'est passé et Josué s'est posé des questions. Josué s'est demandé pourquoi Israël ne peut pas vaincre devant ce petit peuple. Et il a commencé par blâmer Dieu en disant, oh Dieu, pourquoi tu nous as fait sortir et amener jusqu'à ce lieu? Oh, les ennemis vont entendre ça et ils vont se moquer de nous. C'est la prière que les chrétiens font ça. Quand ils veulent que Dieu agisse par rapport à la situation, au lieu de demander à Dieu pourquoi la situation est arrivée, non, Dieu guérit moi pour que les païens ne se moquent pas de moi. Donne-moi ceci pour que les païens ne se moquent pas de moi. Oh Seigneur, tu sais que ton nom, que ton grand nom ne soit pas blasphémé. C'est pour ça que je dis d'agir. C'est pour ça que je dis de guérir.
C'est pour ça que j'ai dit de me bénir. Non, laisse les paniers de côté. Laisse le grand nom de Dieu de côté. Demande-moi qu'est-ce qui a amené ton échec. Qu'est-ce qui a amené la faiblesse dans ta vie? Qu'est-ce qui a amené la défaite dans ta vie? Qu'est-ce qui a amené la confusion dans ta vie? Qu'est-ce qui a amené la stagnation dans ta vie? Pourquoi tu n'arrives plus à prier comme avant? Pourquoi tu n'arrives plus à lire la Bible comme avant? Pourquoi tu n'as plus le zèle pour la maison de Dieu comme avant? Pourquoi la bénédiction ne vient pas comme avant? Pourquoi l'onction ne coule pas comme avant? Ce n'est pas la faute de Dieu, non. Ce n'est pas la faute du pasteur, non. Josué se culpabilisait, il disait, ah, c'était pas c'est moi qui ai fait l'erreur. Et il s'est couché par terre en jeûnant, en déchirant ses vêtements. À sa grande surprise, le Seigneur dira à Josué, lève-toi. Le peuple d'Israël a péché. Donc, frère Désiré, je reviens sur votre contribution. Quand le Seigneur disait à notre frère que c'est notre vie de péché qu'on doit chercher à arranger. Ce n'est pas les ennemis qui sont forts. Ce n'est pas l'onction qui a diminué. Ce n'est pas la faute de ton pasteur. Ce n'est pas la faute de ta femme, peut-être. Mais il y a quelque chose que nous-mêmes nous avions fait. Qui a attiré les ténèbres dans notre vie. Qui a attiré la défaite dans notre vie. Et avant de continuer, je vais nous montrer une maladie et une erreur de nous les chrétiens aujourd'hui. Premièrement, j'ai dit, tu as de problèmes et tu fais semblant de ne pas avoir de problème, tu ne seras jamais délivré. Tu as une maladie et tu ne parles pas de cette maladie, tu ne seras jamais guéri. J'ai dit devant Dieu, tu dois exposer ton problème. Devant Dieu, tu dois dire ta maladie. Tu dois lui dire ta situation. Tu ne peux rien cacher. Regardez, même si tu caches aujourd'hui ton problème, le jour où tu vas mourir, tu ne pourras pas cacher ta vérité. Ce que tu caches là, un jour, tout le monde va le savoir là. C'est mieux d'exposer ton problème aujourd'hui et les gens vont t'aider. Et Dieu va t'aider. Et le Saint-Esprit va t'aider. Et le ciel va t'aider. Seulement, faut pas aller exposer ton problème là où tu n'auras pas d'aide. Parce que d'autres sont là pour écouter ton problème et après ils vont te dire qu'ils n'ont pas la solution à ton problème. Et si ça pouvait même s'arrêter là, c'est bon. Ils iront maintenant raconter ton problème ailleurs sans te donner la solution. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin ici. Dis ton problème à Dieu. Dis ta condition à Dieu. Dis ta maladie à Dieu. Il ne te condamnera pas. Il ne te jugera pas. Il va te pardonner. Il va te guérir. Il va étendre sa main. Il va te toucher parce qu'il t'aime. Il t'attend. Va à lui. Oh, ce matin, il n'y a pas de gens ici. Je dis, il n'y a pas de gens ici dans ce monde. Je n'ai pas dit de venir à moi, j'ai dit va vers Dieu. Amène ton problème à Dieu. Décharge devant lui ton fardeau. Pleure devant lui. Parle lui dans ta chambre. Tu peux venir dans la main de Dieu, te prosterner, rouler par terre. Cherche sa présence. Au lieu d'aller dire tes problèmes à des gens qui n'ont pas la solution à ton problème. Et qui même après t'avoir aidé demain. Insulter avec ça. Quelqu'un n'a pas dit bon, amen. Deuxième erreur que les chrétiens font, les chrétiens négligent, ils sont négligents, l'esprit de négligence. Tu vois, les chrétiens négligent les choses autour de lui. Ils
Quand des choses négatives se passent dans ta vie, il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les mépriser. L'anglais dit overlook. Il ne faut pas les overlook. Il ne faut pas dire c'est rien, c'est rien, c'est rien. Quelque chose se passe dans ta vie, ne te dis rien. Tu es en train de mourir, ne te dis rien. Tu es en train de s'enfoncer, ne te dis rien. Le diable est en train de te dominer, tu dis rien. Regarde, la négligence, quand ça rentre dans ta vie, ça va t'amener à la destruction. Ça va t'amener à négliger même tes problèmes dans ta vie. Ça va t'amener à négliger certaines choses que tu devais être radical et dur là-dessus. Ça c'est pour ça que le chrétien à la fin dit si je savais, alors que ça là, ce n'est pas les paroles d'un enfant de Dieu. Ouais, c'est bon. Oh, si je savais, j'allais attaquer ce problème depuis longtemps. Si je savais, j'allais prendre ça au sérieux depuis longtemps. Regarde, le diable, même quand il veut venir, il ne vient pas grand comme ça. Il vient petit. Les problèmes viennent petits. La maladie vient petite. C'est une semence. Et c'est ça qui grandit quand tu négliges ça, ça grandit. Et si tu négliges ça au moment où tu devrais te détruire, quand ça atteint un niveau donné, tu ne pourras plus rien faire. Tu fais un mauvais rêve et tu te couches là-dessus, tu te lèves et tu dis non, c'est rien. Quand le mauvais rêve va se manifester, c'est fini, tu ne pourras plus rien faire. À coup de droit, quand tu as fait le mauvais rêve, c'est en ce temps-là tu dois te lever pour attaquer et détruire la semence de ce mauvais rêve. Et c'est fini. N'attends pas d'avoir de l'eau à la gorge avant de commencer par crier à Dieu. Non! Imaginez quelqu'un qui dit qu'il est comptable et on le vole un franc, il dit c'est rien. Demain on le vole un franc, il dit c'est rien. Après on le vole un franc, il dit c'est rien. Mon frère, par jour si on te vole un franc, ça veut dire que par année, ça fait 365 francs. Si tu calcules ça dans 10 ans, imaginez ce qu'on va te voler. Imaginez que tu as un garçon et ce garçon-là commence par voler ton argent à la maison. Et sa maman dit non, c'est l'argent de son papa, c'est l'argent de son papa, que personne ne le tape, c'est l'argent de son papa, non. Cet enfant qui est en train de voler comme ça là, demain il sera un grand brigand dans la société. Oui, nous, on vit sur les adouades, à tchèche de toi, bon, non, 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 ton enfant de 8 ans, de 9 ans, te parle de garçon, une petite fille, qui vient de parler de garçon et de sexe à cet âge-là, et tu ne la prends pas, tu ne la corriges pas. Après 15 ans, 16 ans, elle devient une grande prostituée qui a déjà couché avec sa mort. Le voyage de 1000 km commence par un seul pas. C'est comme ça aussi, les mauvais caractères commencent petitement dans la vie. Personne n'est méchant, criminel, voleur. Ça commence un jour quelque part. Mais quand ça commençait, tu as dormi là-dessus. Quand ça commençait, tu as dit c'est rien. Et tu n'as pas attaqué, tu n'as pas déraciné. Parce que tu t'es dit ça c'est petit. Ça c'est rien.
Tu vois des choses négatives autour de toi. Tu dis non, c'est rien. Tu ne réprimandes pas. Tu ne corriges pas. Un jour, ça va devenir un grand problème que tu ne pourras plus maîtriser. Ça, c'est l'erreur des enfants d'Israël d'avoir méprisé les ennemis qui sont les gens de Haï. Ils ont dit à Josué, pour attaquer cette ville-là, on n'a pas besoin de toute l'armée d'Israël. Donnez-nous seulement 2000, 3000 personnes, on va les détruire Haï tout à l'heure. À leur grande surprise, quand ils sont allés attaquer Haï, la Bible a dit c'est un qui ont tourné dos devant Haï. Haï les a bastonnés, Haï a tué les enfants d'Israël. Ils ont fui devant les ennemis. Oh, Dieu avait promis à Israël que tout lieu où la plante de l'empire fouleront, qu'il leur donne l'emploi comme héritage. Et Dieu leur avait aussi dit, particulièrement à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. En ce moment, la promesse que le Seigneur leur a donnée ne se manifestait pas. Ce qui se passe était contraire à la promesse. Quand tu vois des choses contraires à la promesse, tu ne vas pas te lever prier. Tu ne vas pas te lever demander à Dieu pourquoi ce problème là dans ma vie. D'où est-ce que ça vient? D'où vient cette maladie? D'où vient cette attaque là? D'où vient ce problème là? Pourquoi cette situation perdure? Pourquoi ça se prolonge? Pourquoi les ennemis sont toujours forts? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné offrande, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai payé. Pourquoi ça continue? Pourquoi ma plaie continue? Pourquoi ma situation continue? Pourquoi les ennemis ont le déçu? Pourquoi ce problème ne finit pas? C'est des questions qu'on doit se poser. De poser à Dieu. Le jour où tu vas dire je suis tellement oué et je ne vais plus prier, ce jour là commence ta chute. Écoute-moi bien. Le jour où tu vas dire je suis maintenant riche, je ne vais plus prier, c'est le jour là que va commencer ta chute. Le jour où tu diras j'ai maintenant réussi dans la vie, je n'ai plus besoin de prier beaucoup comme avant, c'est le jour là-bas commencer ta chute. Dans toutes les situations, tu dois prier puissamment et fortement. Devant tous les ennemis, tu dois prier de la même manière. Devant toute attaque qui vient, tu dois prier de la même manière. Écoute-moi, la même quantité de Dieu que tu as besoin le matin, c'est la même quantité de Dieu que tu as besoin à midi, le soir, tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin de ta vie, sans jamais diminuer. Parce que tu ne peux rien faire sans Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Même une petite chose, tout ce que nous arrivons même à faire, c'est la grâce de Dieu qui nous aide à faire ça. Le jour où tu vas dire à Dieu, mets-toi de côté, moi-même je vais régler ça là, c'est le jour là que tu seras humilié dans ta vie. Oh, ça là c'est un petit problème. Oh, ça là c'est un petit ennemi. Oh, mets-toi de côté, on va régler ça. C'est de l'orgueil. Ça veut dire que tu peux faire sans Dieu. C'est le jour là que tu seras humilié. Regardez, cette fois-ci, n'ont pas consulté Dieu avant d'aller attaquer Haï. Cette fois-ci, n'ont pas pris l'âge de Dieu pour aller attaquer Haï. Ça veut dire qu'ils n'ont pas impliqué Dieu de la même manière qu'ils faisaient auparavant dans les combats. Écoute-moi bien. Dieu ne peut pas
C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Et à un moment donné de leur vie, ils disent non, je n'ai plus besoin de Dieu, je n'ai plus besoin de la prière, je n'ai plus besoin de l'église. Et c'est comme ça que leur chute commence. Ça fait mal à Dieu quand il nous voit l'écarter de tous nos projets quotidiens. Dans tout ce que tu veux faire, tu dois dire à Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, aide-moi. Même si c'est un petit problème, tu as besoin de Dieu dans ça. Parce que j'ai compris que parfois, c'est la même onction qui tue les maux de tête, c'est la même onction qui tue le sida. Ça veut dire que pour guérir les maux de tête, Dieu ne donne pas une onction petite. Il envoie la même onction pour guérir les maux de tête. Parce que le maux de tête peut te tuer pendant que le sida ne peut pas te tuer. Je veux me tenir sur cet autel pour prier pour toi et moi. Tout problème que tu as négligé il y a 10 ans, toute situation que tu as négligé il y a 5 ans, dans ton foyer, dans ta vie, dans l'église, et qui aujourd'hui est devenu une gangrène, aujourd'hui c'est devenu un grand problème, un Goliath, c'est devenu aujourd'hui une grande montagne devant toi. Je prie le Seigneur ce matin d'avoir miséricorde et d'intervenir pour toi. D'intervenir pour moi, d'intervenir pour nous, d'intervenir pour nous. Oh God, ce matin je n'attends pas toi. Hein. Tous les problèmes qui sont devenus des grands arbres dans notre vie, qu'on avait négligé au moment pour même les arracher avec une seule main. Et aujourd'hui, c'est devenu des grands arbres. Et c'est seulement Dieu seul qui peut arracher ça. Oh Dieu, ce matin, étends ta main dans l'église, étends ta main dans nos vies. Tout ce qu'on a négligé, tout ce qu'on a laissé passer, et qui aujourd'hui est devenu un problème dans notre vie, on va ta main est déracée. Sera pour une seule personne. Quand les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan, ils ont fait une erreur. Ils ont fait alliance avec tous les peuples que Dieu avait dit de détruire. Comment nous pouvons être sages plus que Dieu? Quand Dieu dit détruire cette chose-là, c'est parce que c'est pas bon. Ça ne sera pas bon aujourd'hui et ça ne sera pas bon demain. Je n'entends pas toi. Amen. Quand Dieu dit détruis, faut détruire ça. C'est pas toi. Ne touche pas. Il n'y a pas de manière de dire non, Dieu, je suis à côté, mais je ne touche pas. Si tu ne veux pas manger les fruits d'un arbre, évite aussi son ombre. Ils ont fait alliance avec les gens de Canaan, à cause de leur argent, à cause de leur matériel. Oh Dieu, on ne va pas les détruire complètement parce qu'ils vont nous servir, ils vont travailler pour nous. Dieu a vu ça, il a dit tuez-les, détruisez-les, il n'y a rien de bon dedans. Demain, il sera un problème pour vous et vous allez mourir. Quel que soit le profit que tu gagnes dans quelque chose, si Dieu dit laisse ça, Dieu dit ce n'est pas bon, mon frère, ma soeur, Dieu connaît demain, il faut laisser ça.
Cette chose peut te profiter aujourd'hui, mais demain ça va devenir un grand problème pour toi. Donc c'est demain que nous regardons, on ne regarde pas aujourd'hui. De la même manière, les choses qui te donnent la douleur aujourd'hui, mais demain vont te donner la gloire. Donc ce n'est pas la douleur qu'on regarde, c'est l'objectif de la destination qu'on regarde. Dieu seul peut te dire une chose est bonne ou une chose est mauvaise. Dieu seul, l'esprit de Dieu seul. Josué a pleuré devant Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tes enfants n'ont plus la victoire? Pourquoi n'ont plus la supériorité? Pourquoi n'ont plus la domination? Où sont tes promesses? Où est ta puissance? Où est le bras de l'Éternel? Josué pleurait devant Dieu. Et Dieu va dire à Josué, lève-toi. Mon peuple a péché. Il y a quelqu'un dans le peuple qui a péché. Et tant que l'interdit n'est pas détruit, moi l'Éternel, je n'irai pas avec vous. C'est de la présence de Dieu que nous avons besoin. Mon frère, même si tu n'as pas l'argent, que Dieu soit avec toi. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es, que Dieu soit avec toi. Même si tu es tombé, que Dieu soit avec toi. Parce que si Dieu est avec toi, il va te relever encore. S'il est avec toi, il va te relever encore. Ce que tu as perdu va encore revenir. Je n'attends pas bien toi-même. Les amis n'ont qu'à t'abandonner, mais que Dieu ne te laisse pas. C'est cher, la présence de Dieu dans ta vie, c'est cher. Tout péché qui va toucher la présence de Dieu dans ta vie, faut combattre ce péché là avec toute ta force. Il a donné la vie et là on compte moi aussi intelligent présent de mien. Yes, il faut combattre ça avec toutes tes forces. Parce que ce péché-là va toucher ton salut aussi. Le péché qui va t'amener à ne pas prier, à ne pas être agréable à Dieu, à ne pas réjouir le cœur de Dieu, à ne pas avancer dans ta destinée. Ce péché-là, il faut le combattre avec toutes tes forces. Et Dieu va dire à Josué, demain tu vas sanctifier le peuple. Parce qu'il y a quelque chose qui est sale au milieu du peuple. Dans la maison de quelqu'un. Et à cause de ça, je n'irai plus avec vous. Josué, il a yéwe. Josué va commencer par appeler le peuple. Oh, peuple d'Israël, rassemblez-vous. Dieu a dit qu'il y a quelque chose d'interdit qu'on doit détruire. Qui a péché? La personne n'a qu'à parler. La personne n'a qu'à dire ce qu'il a fait pour que nous puissions faire la paix avec Dieu. Le péché est dans ta maison. Le péché est dans ton cœur. Le péché est dans ton entourage. La malédiction est dans ton entourage. Josué criait, il disait, qui a péché? La personne n'a qu'à sortir. Josué ne m'a qu'à Et les 12 tribus d'Israël étaient debout devant Josué. Personne ne parlait. Mais dis-tu le roi? Évidemment, si tu n'as pas péché, tu ne vas pas parler. Mais je voulais dire que celui qui a péché n'a pas parlé. Parce qu'il y a quelqu'un qui devait parler. Aussitôt qu'on a dit qui a péché, la personne doit sortir, c'est moi. C'est ça aujourd'hui, on ne trouve plus dans l'église de Dieu. Mon frère, ma soeur, la parole que je suis en train de te donner, ce n'est pas ma parole. C'est là se trouve notre véritable problème. Laisse les ennemis d'abord de côté. Laisse-les d'abord.
qu'est-ce les deux côtés. Laisse les ennemis de côté d'abord. Dieu qu'est-ce les deux côtés le con. Ouais. Celui qui avait péché était là, il ne parlait pas. Mais Jacob le fréquent à quoi oui, son nom c'est Akan. Et nous y est de Akan. Et quand j'ai regardé la définition de Akan, Akan me dit serpent. Oui, il a une femme, et la femme là aussi c'est Akan, serpent. Il a des enfants, et les enfants aussi c'est Akan, la famille Akan. Parce que tel père, c'était telle maman et tel enfant. Josué dit qui a péché. Josué le même qu'à Jacob. Akan n'a pas parlé. Akan est Jacob. Il s'est tué, il n'a pas parlé. Et tu oui, mon amour. Jusqu'à ce que Dieu a dit à Josué, c'est la tribu de Juda qui a péché. Quelqu'un m'a dit, Josué, et ben là, quoi? Tribu Juda doit être Jacob. Au moins, quand on n'avait pas encore trouvé la tribu, Akan peut dire non, on ne connaît pas encore la tribu. Maintenant qu'on a dit Juda, il devrait avoir peur pour dire ah, là maintenant, ils sont proches de moi, hein, ils vont m'attraper. C'est moi. Il n'a pas dit c'est moi. Tu ne verras pas quelqu'un dans l'église qui va dire c'est moi. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Et il y a quoi, Juda et l'autre. Akan et l'autre. Pourquoi Juda et l'autre. Écoutez ça. Yes, ah oh, ok, je t'ai dit pourquoi. Ah, mais les gens, mais, oh, j'ai dit, y'a que, y'a que, y'a que, et c'est le moment, oh, y'a que, et c'est le moment, et la moitié, nous n'avons pas de document, tu m'as dit, mais vous les chacons, sinon c'est la date, alors, y'a que, les gens qui sont chargés de malheur pour détruire le peuple, et ils savent qu'ils sont, c'est eux qui sont en train de détruire le peuple, Satan leur donne un faux courage pour dire personne ne saura, personne ne va te découvrir, personne ne va t'exposer. Je me tiens sur cet autel et je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les personnes là seront exposées. Nous sommes dans le cabinet, tu m'as dit que tu m'as dit que tu es Jacob, les banons n'aillent le faux courage. Mais non, pas comme le dit, le triche. Bon, le dit, mais tu m'as dit, j'ai aussi comme un peu, mais on a déroulé pas. Le premier caractère de Akan en tant que serpent, c'est de se cacher. Se cacher au milieu du peuple, se cacher dans la maison pour tuer, pour détruire, pour voler, pour oppresser. Et tu ne sauras jamais que c'est lui. Akan, c'est un serpent, il est un serpent, il est un serpent. Bon, on a un peu de temps, 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 j'appelle ça le ministère du serpent. Ils seront parmi vous, mais vous ne saurez pas que c'est eux. Ils seront en train de tuer, vous ne saurez pas que c'est eux qui se tuent. Ils prient aussi avec vous. Ils jeûnent aussi avec vous. Eux-mêmes disent Satan, Satan. Eux-mêmes prient. Mais c'est eux qui sont Akan. C'est eux qui sont les serpents. Leur vraie nature, c'est serpent. Quand tu le regardes physiquement, c'est un homme qui est là, mais c'est un serpent à l'intérieur. Physiquement, c'est une femme qui est là, mais c'est un serpent qui est à l'intérieur. Le premier caractère, c'est de se cacher. Même physiquement, un serpent sera dans ta chambre. Tu ne sauras pas quand ça sort, tu ne sauras pas quand ça vient. C'est un animal rusé, subtil. Et dans la cacheterie. Mon frère, alors je passe sur cet hôtel. Je ne sais pas qui tu appelles ton ami. Je ne sais pas qui tu appelles ton frère. Je ne sais pas qui tu appelles ta soeur, ta femme, ton enfant. Et c'est un serpent en train de détruire ta vie, de manger, de dévorer ta vie. Ce matin, le Dieu d'Israël va l'exposer. Tu n'entends pas bien toi, amen, mon frère. Quiconque est derrière ton problème, quiconque est derrière cette situation, mais tu ne sais pas, aujourd'hui le Dieu d'Israël va te révéler la personne. Toi, dis-moi un bon amen. Ni
Tu peux te cacher pendant des années, mais tu ne peux pas te cacher tout le temps. Tu peux réussir pendant des années, mais tu ne réussiras pas pendant toutes les années. Comment tu peux te sentir à l'aise pendant que, à cause de toi, des gens meurent, à cause de toi, des gens souffrent, à cause de toi, des gens pleurent, et tu es à l'aise? Je connais des papas qui se sont sacrifiés pour que la famille soit libérée, parce que ça veut dire qu'il était la faute. Même s'il n'était pas la faute, ils ont accepté de se sacrifier pour que la famille soit délivrée. Mais toi, tu te tais. Tu ne dis pas que c'est toi. Alors que tu sais que c'est toi, tu es une sorcière. Tu es agent du diable. Tu es envoyé en mission. Et tu as le pouvoir du serpent. Tu es venu pour disperser, pour détruire l'église, pour détruire les âmes. Je dis aujourd'hui, le paix de Dieu va te localiser. Mais les choses révélées nous appartiennent à nous. Mais c'est Dieu qui va les exposer. Je déclare que le pouvoir de l'exposition commence. Que le pouvoir de l'exposition commence. Dans ta maison que ça commence. Dans l'église que ça commence. Dans le pays que ça commence. Ça suffit comme ça. Le mal ne va pas régner à toujours. Donne-moi un bon amen. Je dis, donne-moi un bon amen. Je prie et je déclare encore tout ce qui est caché dans ta vie. Toi, tu ne pourrais pas. Et c'est ça qui te détruit, qui te tue. Que le Dieu de lumière demande qu'il rien n'est caché. Lui qui voit la pierre noire, dans la fourmi noire, sur la pierre noire, dans la nuit noire, que ce Dieu-là expose ses ennemis cachés. L'anglais les appelle Magog, les vers. Ils sont collés à nous, mangent en nous, mangent avec nous. Ils sont collés à nous, ils profitent de notre sève, de notre couverture, et nous mangent aussi. Cet esprit exposé. Est-ce à cause d'une seule personne un peuple peut souffrir? Oui. Est-ce qu'à cause d'une seule personne une nation peut souffrir? Oui. Je dis, il y a des gens qui sont déjà condamnés à mort et ils cherchent un lieu où ils vont venir mourir. Et c'est ici qu'ils ont choisi. C'est dans la maison qu'ils ont choisi. Je prie au nom de Jésus, avant que la kamikaze ne s'explose, que le feu de Dieu ne s'enlève de notre vie. Dans l'humiliation, on va prêcher. Même si ce qu'on prêche, c'est qu'on va prêcher. On va prêcher, on va interpréter. Ça, c'est bon à toi mourir aujourd'hui. Ça, c'est bon à toi mourir aujourd'hui. Ça, c'est bon à toi mourir aujourd'hui. Comment tu peux te taire et tout le monde souffre à cause de toi? On n'a pas dit deux à quand, c'est un seul à quand qui troublait tout Israël.
contient et à tout Israël. Ennemi. Akan est dans la maison. Akan le Kouyakbe. Qui pouvait croire que la fille qui suivait Paul et qui a un esprit de piton, elle regardait ce qu'elle disait. Est-ce qu'à tout le monde, il y a un vieux le Paul ou un d'Angbessie Bibo? Regardez ce qu'elle disait. C'est quoi le dernier? Ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut. Il y a un vieux le d'Angbessie Bibo, mais la belle est là. Ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut. Il nous annonce la voie du salut. Écoutez-les. Suivez-les. Pourtant, c'est un piton qui parlait. Non, il a prêché la vérité, non? Oh, il a prophétisé la vérité. C'est pas parce qu'il a dit la vérité que c'est un esprit de Dieu. Elle avait une mission. S'introduire dans l'équipe de Paul. Yes, s'introduire dans le groupe de Paul. Devenir assistant de Paul. Devenir interprète de Paul. Devenir un fidèle de Paul. Et là où tu es Paul aussi, assistant. Et là où tu es Paul aussi, nous dis maintenant. Parce que c'est ça qui nous servit aujourd'hui dans les églises chrétiennes. Quand on voit quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui parle en langue, quelqu'un qui peut interpréter, quelqu'un qui a un don, en même temps on veut prendre la personne pour travailler. Quel esprit est en lui? Parfois c'est un piton. À quand qui est là? Oui, nous aimons les gens, nous avons aussi un collègue jeunier. Oui, nous avons un meilleur rayon, et nous avons deux SMS. Mais rien à dire, mais nous, rien à voir, ma ouzone, et la chien, ma cote, mon inzéza, ou à coup, ma outomé. Oh, mais on ne m'a pas de big boy, t'es pas du ma outomé. Big boy, t'as pas de temps, on le yéme. Il y a des gens, quand même ce que tu dis, c'est la vérité, pendant que tu parles, c'est les ténèbres qui te couvrent. Mais la tibo, y'a le même, mon y est tel ou pour un ouéo. Avant de finir les ténèbres, écoutez, ton âme est déjà dans les ténèbres. Paul n'est pas tombé dans le piège. Paul était la Bible dit Paul était fatigué. Je prie et je déclare. Toute personne qui vient près de toi. Toute personne qui tourne autour de toi. Au nom de la vérité. En disant que tu viens de Dieu. Pour chercher le suffrage des gens en Christ. Pour chercher l'approbation des hommes de Dieu. Pour qu'on les place quelque part. Afin de détruire que Dieu les expose à ta place. Je veux faire une prière pour toi encore ce soir. Que le Seigneur te révèle la vraie nature des gens autour de toi. Que Dieu te révèle la vraie nature. Que Dieu te révèle la vraie nature. Le jour où cette prière là sera exaucée, tu verras à côté de toi un serpent. Héritier ou héritière, tu es toujours esclave. Le jour où
l'héritier va venir, tu vas partir. Nza timelo achele atei kanu mono vi bono mele okwe boblo okwe mokolo me okwe manu lo achele ayime oti via mekpekpe me oti vire su papa na wa ala jotemé. C'est pas parce qu'un tronc d'arbre a tiré dans l'eau qu'il va devenir caïman ou crocodile. C'est toujours un tronc d'arbre, ça ne le changera jamais. L'un des ministères du serpent, c'est le mensonge. Ils sont des menteurs. Ils ne disent jamais d'où ils viennent. Ils peuvent te dire toute la vérité, mais ils ne vont pas te dire qui ils sont réellement. C'est pour ça que je répète ma prière. À partir d'aujourd'hui, aujourd'hui 16 avril, je dis, le Seigneur va te révéler la vraie nature des gens autour de toi. Il y a des gens qui sont avec toi, ils marchent avec la tête et le pied en haut. Ils sont avec toi, c'est les fesses qui marchent par terre. C'est pas le pied, c'est les fesses qui traînent par terre. Mais physiquement, ils ont les deux pieds debout. Mais il y a des gens spirituellement, c'est un seul œil qu'ils ont. Spirituellement, c'est trois bouches qu'ils ont. Spirituellement, c'est pas la nature. Leurs oreilles, c'est comme oreilles d'éléphant. Et tout cela, c'est une autre couronne de corps. Et tout cela, on les embrasse. On les appelle frères. On les appelle sœurs. Mon frère, ne faut pas te déranger. Quand on vient à la prière, on dit, oh, invoque le feu sur celui qui est à côté de toi. Invoque le feu sur celui. Non, il faut laisser cette prière-là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va t'exposer les vrais méchants. Paul fatigué regarda cette femme-là. Voilà, Je suis fatigué. Et Jimmy. Mon frère, écoute-moi bien, je suis fatigué. Si tu n'es pas fatigué, il faut dire ça. Je suis fatigué. Paul fatigué s'arrêta. Paul était fatigué des mêmes choses. Il étouffe. Est-ce que tu ne sens pas quelque chose étouffé? Tu ne sens pas quelque chose étouffé? T'as vu la prière?
que je sais, c'est un piton, c'est un serpent. Le Saint-Esprit le connaît et le Saint-Esprit va le frapper aujourd'hui. Montrer que tu as, c'est un serpent que tu auras.
Ta vie, ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition. Elie, bame fia, emai kai, ou est-ce que kasi wadene? Aujourd'hui tu es en haut, aujourd'hui je suis en bas, la route tourne, demain je peux me trouver en haut et tu vas te retrouver en bas. Ça, a bien expédition, Elie, wadaka, bon expédition yon auto. C'est tour à tour. Même la bénédiction là, c'est tour à tour. La visitation de Dieu même, c'est tour à tour. Enterrement aussi, c'est tour à tour. Les pleurs aussi, c'est tour à tour. C'est pour ça la bénédiction est ça. Pleurez avec ceux qui pleurent.